No dobrze, ale to jak pokazać prawdziwy obraz? To... No ale komu ten, ta prawda, o której mówisz, jest potrzebna, to znaczy tego obrazu? No bo... Marcel Losiński, cineasta referencial en Polonia, chega por primeira vez ás pantallas españolas en Playdoc TV, membro da xeración de documentaristas que nos 60 e 70 fixeran bater as súas imaxes contra o regime soviético, o seu cinema apóyase tanto na contestación política como nunha vertente existencial, que o leva a considerar temas como o afán de superación do ser humano, a súa espiritualidade, o paso do tempo ou a construcción dunha identidade propia. Pero por enriba de todo, Losiński caracterízase polo seu revolucionario método de abrir a realidade. Mais si tu connais une certaine réalité, que tu sais très bien ce qui se passe au fond, que ça ressort de temps en temps, mais c'est très difficile à percer par la caméra. Moi, j'utilise la méthode, bien sûr, on peut appeler ça provocation. Moi, j'appelle ça densifier un peu la réalité. C'est-à-dire provoquer des situations dont je suis sûr, mais ça, il faut être sûr, qu'elles existent dans la réalité. Donc, très souvent, par exemple, je mets dans un film un personnage, jamais des acteurs, mais un personnage qui a un certain rôle à jouer. Mais ce n'est pas un rôle qui lui est imposé. Je choisis le personnage en fonction de ce qu'il fait dans la vie. Par exemple, dans Comment vivre, j'ai pris un de mes copains qui était membre du parti, qui est un haut fonctionnaire, du parti d'ailleurs. Et je lui dis, est-ce que tu veux passer 2 semaines de vacances dans un camp? Elle dit, oui, pourquoi pas? Qu'est-ce que je dois faire? Je n'ai rien. Tu sais très bien le faire. Prends le pouvoir dans le camp. Et donc je voulais montrer les tendances qui existaient dans le pays à travers le camp. A procura da identidade nun sistema que anulaba o individuo é unha das constantes nos primeiros anos de carreira de Losiński. A metáfora era a súa arma para evitar a censura, que non sempre conseguiu esquivar. Mentres obtiña galardóns en prestixiosos festivais internacionais, os seus compatriotas, en múltiples ocasións, non tiñan a oportunidade de ver os seus filmes. D'ailleurs, ce film qui était tourné en 1985 a été bloqué par la censure, le film Ma Place, n'est-ce pas, qui part soi-disant d'un grand hôtel à Sopot, mais à vrai dire, c'est aussi la hiérarchie, ça montre un peu qu'en Pologne, les gens sont vraiment hiérarchisés en fonction de leur été, pardon, je dis toujours récent, été à l'époque, en fonction de leur appartenance au parti ou non, et qu'ils rêvent, chacun rêve d'être un individu, pas un élément de la masse. En Pologne, rien n'était parfait. Donc nous, on fonctionnait, je parle d'un petit groupe, entre autres, il y avait Kieślowski dans ce groupe, Krzysztof Kieślowski, un petit groupe de réalisateurs de studio de films documentaires qui faisaient des films différents. On faisait des films, si vous voulez, contre le système, pas directement, mais quand même, un peu plus profonde, on essayait, mais quand même contre le système, avec l'argent du système. La chose la plus importante, le non-dit. Je sais que tu sais ce que je sais, mais on ne se le dit pas. Des clins d'œil, ça c'était le principe. Et c'est comme ça qu'on fonctionnait, c'était formidable. A caída do regime soviético favoreceu o coñecemento da súa obra a nivel internacional. 1993 foi un ano clave para Losiński, pois era nomeado o Óscar por A 89mm de Europa. A retrospectiva de Playdoc, a primeira en España, inclúe este multipremiado filme xunto con outros 6 que compoñen un fresco de todas as súas constantes, estéticas e temáticas.